Ok, bon, mot de passe, mot de passe, mot de passe. J2, c'est juste. C'est quoi ce mot de passe là? Non, pas du tout. C'est pas du tout ça. Merde, j'ai pas lancé ce masque, quel con. Alors j'ai dit JT CCJ. JT CC J. Ok. What? Putain, les touches encore. Oh là là, casse les couilles, je toujours pas sauvegarder, ça faut que je les sauvegarde. Alors le bouton A, il est là, ça c'est rien, le X c'est le bouton B et celui-là c'est rien. Tac, et du coup sauvegarder le remappage pour le cœur. Voilà, ça doit être bon. Par contre, j'ai oublié de checker un truc. Avant de relancer, j'aurais dû check parce que là du coup je sais vraiment pas ce qu'il faut faire. Donc Balek, faut que j'aille me spoil parce que. Alors, on doit l'aventure de Game Boy. Faut que je sois juste pour la porte. Donc ça on a fait. Ok, il commence par les portes là, tout ça j'ai déjà fait. C'est vraiment juste avec le bonhomme là qu'il faut que je trouve. Tout ça on a fait, on a fait. On a fait, on s'en branle. Ah voilà, c'est là. Donc vous allez voir lui, ça j'avais trouvé, les sifflements. Donc deux fois en haut, deux fois en bas, une fois à droite. What? Mais non. Putain. Ah, c'est des enfoirés. Bon, j'ai quand même gardé la vidéo au cas où, mais c'est des enfoirés. Putain, fallait y penser, je. Oh là là là, bon enfoiré. J'ai la tristesse là. J'avais pourtant essayé de taper en haut. D'accord. Faut que je m'accroupis.
Je vais regarder, j'aurais jamais trouvé sinon ce passage. Encore un chemin en haut. What? Run, Adam Moore. Oh, femme de ma vie. Elle sera toujours encore. D'accord, c'est comme ça qu'on obtenait le code, ok. Oh my god, bah ça m'aide pas alors. Ça m'aide pas. Du coup, ok, ça me donne le code et après, faut faire quoi avec le sifflement? Bah nickel, ça va toujours alors. Ça va toujours nickel. Oh mais je l'avais fait ça! Bon bah vas-y c'est des foutages de gueule. J'avais fait d'essayer de faire le truc vers les mines. Je sais même plus. Voilà, et du coup, logiquement, ça a activé le trou, ça, je pense. Non, 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 mais c'est des fils de pute. Oh, je voulais tout recommencer, il fallait savoir qu'il fallait une petite noix. Oh, les enfoirés. Ah, je suis obligé de tout recommencer. Bon, ça va, maintenant que je sais, ça va aller vite. Oh, les enfoirés! Bon, du coup, ne pas oublier de prendre une noisette. Bon,
Ah, je note. Ça, je veux ça. Il reste plus qu'une porte, on va la faire tout de suite, donc on prend quand même. STCCS. Ok. Bon, allez, dernière porte. Qu'est-ce qu'il fallait faire ici, du coup? Ouais, bien sûr! Bien sûr, tu me tues en dehors de l'écran. Tout à fait, enculé. Tricheur. T'es content. Ah, ça le réveille pas! C'est bien ça, putain, je savais pas. Faut pas que je prenne l'oiseau en rentrant là. Oh, magnifique! Oh putain, je vais peut-être y arriver. J'ai une noisette, j'ai une noisette. Oh putain! Oh, je vais peut-être en faire réussir à terminer cet endroit de merde. Oh putain, on avance incroyable. Alors, SBCCT. SBCCT. Bon, du coup, on a fait toutes les portes, ouais. Non, pas first try, non. C'est pour GG, mais c'est pas un first try. J'ai essayé je ne sais pas combien de fois ce matin. C'est très loin d'être un first try. D'accord, n'aie pas peur. Non, désolé, mais c'est pas du tout un first try. Oh, mais c'est quand même pas un first try. J'ai fait une pause entre temps, mais j'ai quand même essayé un milliard de fois ce matin. Donc, c'est pas un first try si j'ai essayé un milliard de fois. Peut-être là, oui, j'ai réussi du premier coup, mais j'ai quand même tenté au moins 30 fois ce matin. On peut pas aller par là. C'est encore un chemin à la con au-dessus qu'on va pas voir. Pourquoi ce naze il clignote, putain? Ben, faut que je... Ok, bon, faut trouver le moyen de passer ce chien. Non, 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 non. Il y en a un peu beaucoup, hein. Thomas. Ouais, Thomas, t'as toujours. Mais tu veux que je fasse comment? Ah, il y en a énormément trop là, c'est pas bon ça. Je peux pas les buter, c'est ça le pire. Mais là, te ferons! Oh là 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 là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.
gentil, il va falloir que j'aille autant les buter. Ouais, c'est quoi, toi? 2 petites secondes. Faut que j'aille vite aux toilettes, évoquer le café, je reviens. Et oh, Juju! Ça va, t'es Juju, comment tu vas? La forme ou quoi? Bon, je reviens, je vais rapidement aux toilettes, et on va voir ce qu'il faut faire, parce que là, je... Je sais pas! Bref, on va trouver ça après. Je vais aux toilettes, j'arrive, à tout de suite. Bon, bref. Non, attends, je vais rouler une clope et puis on va essayer de voir ça. Mais comment ça va, Juju? Comment tu vas, frangin, la forme? Faisons une petite cigarette et puis bah. On va tenter. Parce que là, je vois pas comment ils veulent que je passe tous ces chiens de merde. Comme dit Néa, et elle a raison, ils en ont mis beaucoup trop. Parce que là, le seul truc que je vois à la limite, c'est essayer de lui faire peur pour le pousser, le repousser jusqu'au bout. Et puis sauter. Je vois que ça. Franchement, je vois pas d'autre solution. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution dans tous les cas. C'est même pas que j'en vois pas d'autre, je pense pas qu'il y a d'autre solution. C'est de le pousser un maximum au bout et puis sauter au-dessus de lui s'il y a moyen. Il n'y a que ça, hein. Il n'y a que ça qui est possible. On va bien voir, je vais tenter. Attendez, je fais ma clope et puis on va tenter ça, on va bien voir. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, et bah rip, rip ma vie. Je sens que ça va être rythme ma vie surtout, mais bon. Ça va tranquille, ben nice alors. Ça va, écoute la forme, hein, comme d'hab. Ça va bien, frangin, écoute tranquillou. Bon. Allez, t'as peur! Non, t'as pas peur. Faut t'as peur le chien! Faut t'as peur, recule! Pourquoi il a pas peur? Normalement il est censé avoir peur. Eh t'as peur, t'as peur, ouais t'as peur! Regarde, je suis fou! Ouh. Merde, y'en a un autre, au secours! Mais non, mais putain, faut que je m'arrête et que je saute. Oh là là. Je peux pas m'arrêter, y'a un autre chien à mon cul. Eh t'as peur! Ok, c'est là. Wouhou! Il joue mes petites fesses. Non. Attends, l'avant. Aïe. Oh, il y a encore un toutou. Deux toutous. Oh. Ok, je crois que j'aurais dû y aller vite. Je crois que j'aurais dû y aller vite parce que là, c'est mort, je peux pas passer. Bah ouais, je peux pas passer. Oh putain, faut que je me magne. Oh non. Ils ont mis un truc de vitesse, c'est con. Génial, un truc où t'es obligé de connaître par cœur, sinon t'es baisé. On adore. Oh puis là, il va pas avoir peur du coup. Bah non, il a pas peur là du coup. Putain. Oh, c'est abusé, ça va être tout un niveau de vitesse. Bon, je suis déjà mort. Alors on sait que je suis mort si je loupe mon saut.
Quelle bande de cons. Mais non, mais tourne-toi, putain. Ah, j'ai oublié de marcher tout doucement. Oh putain. Quoi, cette horreur? Non! Mais comment tu veux que je passe, putain? C'est-à-dire au bout, faut que je me remette debout et que je saute. Mais ils sont cons, ils sont fous. Ils sont fous et cons. Oui, bien sûr. Putain, t'as, j'ai à peine le temps de m'arrêter et de sauter en l'air. Oh là là, c'est horrible. Ah, puis là, si tu fais une erreur, t'es baisé, voilà. Là, je suis baisé, par exemple. Je peux pas réinitialiser le truc. Non. Bon. C'est baisé. T'as pas peur, hein? Maintenant, t'as pas peur. Si je vais pas assez vite, il a pas peur, ce con. J'en ai marre de ma vie. Allez, bouffe-moi. Ça va être horrible, ce passage, je le sens. Oh, fallait que je me dépêche aussi. Mais non, faut encore que je me dépêche. Oh là là, le truc qu'il faut connaître par cœur, mais c'est horrible. Faut que tu devines la suite par cœur, sinon t'es baisé. C'est génial. C'est des génies. Quelle idée. Bon, bah, je répète, hein, si quelqu'un connaît une voyante assez mignonne, présentez-moi là. J'ai besoin de me marier avec une voyante. Faut que je trouve une femme, une voyante. J'en ai vraiment besoin. Encore plus pour ce genre de jeu. Donc sérieusement, si quelqu'un connaît une voyante, faut que je me marie avec une voyante. Ah oui, bah bien sûr, mais oui, tout à fait. Après, faut que je me relève, que je saute, que je continue à courir. Oh là là, ils sont fous. Ah, vraiment, je vais passer une annonce sur Badou, Tinder ou je sais pas quoi, recherche une femme voyante. Mais putain, mais. Oh. Massage? Massage, oui, mais voyante, non? Massage, que de quoi massage? J'ai jamais parlé de massage, Néa. Quel moment tu m'as entendu parler de massage? Sais pas à quel moment tu m'as entendu parler de massage, j'ai jamais parlé de massage, Néa. J'ai dit, si quelqu'un connaît une femme un peu assez mignonne, un peu mignonne et voyante. C'est tout ce que je demande. Pas une voyante de 80 balais toute dégueulasse. Une jeune de mon âge. Un minimum mignonne, qui me plaise un minimum et qui soit voyante. Voilà, je recherche ça.
J'ai jamais parlé de massage. Bon, après, ça, les massages, c'est à côté, ça, normal. Ça, c'est logique. Ma femme, elle me fera des massages et je lui ferai des massages, ça, c'est normal. Mais là, non, il me faut juste une voyante un peu mignonne. Mais j'ai besoin d'une voyante, faut qu'on me lise l'avenir, parce que, putain, avec des jeux comme ça, là, où faut que tu connaisses par cœur la suite sans l'avoir faite, c'est de la merde, c'est de la merde. Ouais, j'ai même pas prévenu, mais je roule une clope, là, parce que, putain, c'est en train de m'énerver. Je vais tellement fumer avec ce jeu, là, c'est en train de me gaver, c'est stressant. Pas stressant. Mais du coup, pourquoi tu me disais massage, oui, mais voyante, non? C'est quoi, massage, qui fait des massages? Tu connais une fille ah mais c'est les pas voyantes, ça ne sert à rien. Et tu connaissais ma future femme? T'avais une femme à me présenter qui faisait des massages. Merde. On va savoir. Une très belle masseuse, mais pas voyante. Ah ouais, non mais Ah ouais, la beauté, je m'en bats les couilles, hein. Je te dis, c'est un minimum mignonne qui me plaît un minimum, pas les drones de 70 balais, mais après la beauté, je m'en bats les couilles, moi je suis pas superficiel. Hein. Je m'attache pas au physique, moi c'est plutôt le caractère qui m'intéresse chez les femmes. Ça a toujours été le cas. Hein. Toujours été le cas, moi c'est plus le caractère et machin, tu vois. Je te montre mon ex par exemple, tu verrais, c'est pas un modèle, c'est pas un top modèle. C'est parce que je m'entendais hyper bien avec elle et que ça collait bien que je m'étais mis avec elle, mais le physique c'est secondaire. Et clairement, le physique c'est secondaire. Faut que ça colle bien mentalement déjà à la base. Mais là, c'est surtout voyante que je cherche. Après, une très belle, qu'elle soit très belle ou pas, j'en ai rien à branler, tu vois. Regarde la preuve. J'ai sur le trip, j'ai plein de femmes. Toi, Sidéra et compagnie, etc. J'ai plein de femmes, j'en demande plein en mariage et on s'est jamais vu. Je sais pas à quoi vous ressemblez. Je sais pas à quoi vous ressemblez, je veux quand même vous épouser, tu vois, donc ça veut rien dire. Ça montre bien que le physique, je m'en bats les couilles. C'est important quand même, hein. Faut qu'il y ait un minimum, que la personne te plaise un minimum quand même. C'est clair que... On va pas se mentir, c'est toujours... Faut quand même que ça accroche physiquement, mais bon. Le principal, c'est le caractère. Avant toute chose... J'ai eu de la chatte. Oh non, bah je suis mort. Bah je suis mort, il connard. Il est tendu ce passage. Non mais de toute façon, dans tous les cas, pas grave, j'en trouverai pas de voyante. Je cherche pas de voyante. Moi j'ai déjà les femmes de ma vie. Déjà les femmes de ma vie, je cherche pas de voyante, c'est bon. J'ai déjà les personnes que je vais épouser. Même si elles me mettent toutes devant. Bah à part Acidia, elle m'a pas mis devant. Acidia, elle m'a pas encore mis devant elle. Elle m'a pas dit non, non, on se marie pas. Y'a que toi qui m'as mis avant, pour le moment. Dans toutes mes femmes et tous les gens de qui je veux me marier, y'a que toi qui m'as mis avant. Mais monte! Oh putain, j'ai eu de la chatte. Heureusement que c'est pas énervé le toutou. Ça, c'est le genre de passage qui peut me faire rage quitte le jeu. C'est tellement hard. Allez, je suis mort. Tu fais une erreur, t'es foutu sur ce passage. Quel saut, mais magnifique! J'applaudis. J'en ai marre. J'en ai marre de ma vie. Ça, il s'arrête pas. Non, mais putain, pourtant je suis bon. Mais pourtant j'étais bon, arrête. Je me suis mis exactement au même endroit.
Genre, il tape le plafond, je me remets au même endroit, il monte. C'est nimp. Mais lui, comment? Comment je le passe? Comment je le passe, t'enculé? J'arrête pas de bloquer sur lui. Je comprends pas. Je comprends pas comment je dois le passer, celui-là. Il est où le problème? Je peux pas passer. Oh putain, 2 secondes. Fume un petit peu là, mais je comprends pas. Je comprends pas, j'ai beau aller le plus vite possible, il est toujours, il spawn avant moi. Il spawn avant que j'arrive. Bah, il spawn, non, il spawn pas avant que j'arrive, mais il spawn directement au moment que je suis là. Je me fais baiser en permanence. Je vois pas comment je peux passer. Ou alors, je sais pas, je vois qu'une solution. Je vois qu'une solution, mais j'ai peur que le chien derrière il me nique. Bon, on va voir ça, attendez. Voilà, je pose ma clope. Je vois qu'une solution, attendez un tout petit peu pour lui faire peur. Ouais, c'est ça en fait, faut attendre un petit peu, mais faut pas que le chien derrière il arrive. Faut attendre un tout petit peu pour l'effrayer, mais pas que celui de derrière il arrive. C'est tendu, c'est tellement timé. Ils sont tarés. Oh, la vérité, les développeurs ils sont complètement fous. C'est le die and retry par excellence. Bien sûr, ne saute pas. Ah, et puis je tombe sur le deuxième du coup. Putain. Je suis mort. J'ai compris. Je comprends pourquoi là je meurs aussi. Si le deuxième il spawn, c'est foutu. En fait, s'il y a un seul chien dans l'écran, il a peur de toi. S'ils sont plus de... S'il y en a plus d'un, ils n'ont pas peur. Faut pas que le deuxième spawn. En fait, j'ai pas besoin d'aller hyper vite à certains endroits, mais faut juste que j'aille plus vite que le spawn du second. Je viens de capter. Bon, puis lui, là, c'est pas un chien pareil, je viens de remarquer aussi. C'est pour ça que lui, il a pas peur. J'ai sauté, mais putain. Oh hey, mais c'est horrible! Oh, j'ai sauté trop tôt. Oh. Tuez-moi. Mais tuez-moi, vraiment, tuez-moi, là, j'en ai marre. Mais...
Ah, je veux calme. Je vais pas péter un plomb. Il saute pas. Quand je change d'écran, j'ai l'impression il a une latence, il veut pas sauter. Parce que là, je vous promets que j'ai sauté, hein, j'ai appuyé sur le bouton. Je vais afficher les inputs à l'écran, vous verrez. Mais saute! Mais pourquoi il a marché doucement? Je vais péter un plomb. J'étais en train de courir, j'appuie. Parce qu'en fait, le problème dans ce jeu, en fait, pour marcher doucement, parce que normalement, il marche comme ça de base. Pour marcher doucement, en fait, la connerie, c'est il faut appuyer sur la flèche du haut. Tu dois appuyer sur la flèche du haut et te déplacer pour marcher doucement. Et en fait, j'ai couru, j'ai appuyé sur la flèche du haut pour sauter comme ça. Parce que pour sauter comme ça, il faut que tu cours et que tu appuies sur la flèche du haut au moment de sauter. Mais lui, au lieu de sauter comme ça sur la corniche, il s'est mis à marcher doucement, je sais pas pourquoi. C'est complètement débile. C'est parce que pour activer des interrupteurs, pour marcher doucement et tout, c'est flèche du haut. Et la flèche du haut te permet aussi de sauter bah, vers le haut, quoi. Et du coup, là, il a cru que je voulais marcher en sneaky, alors que pas du tout. Je voulais sauter, moi. Oh, quel jeu de merde! Ok, je suis mort. À moins que. Sors de l'écran, toi. Je te dégage. Ah, mais je suis mort, voilà, il y a le deuxième qui va apparaître, je suis foutu. Je suis baisé là en fait. Je suis baisé. Bah ouais. C'est horrible ce passage. J'imagine même pas les prochains passages. Sais pas où est-ce qu'on en est dans le jeu là, si on est vers la fin ou pas, mais. À mon avis, on doit être quand même assez loin, je pense. Je vais aller regarder vite fait après sur Long2Beat, ils disent combien de temps à peu près pour le terminer. Ça me donnera une idée de où on en est. Je vais regarder vite fait. Ça m'intrigue, j'ai envie de savoir si j'en suis loin ou pas. Savoir si la torture est bientôt terminée ou pas. Along2Beat. Même si c'est pas forcément vrai ce qu'ils disent sur le site, ça donne une petite idée. Oh bah oui! Oh oui, non, bah oui, on en est bien loin, on n'est pas loin de la fin. Sur Along2Beat, il dit 50 minutes pour terminer le jeu. Bon, j'en suis déjà à 2 heures passées, mais. Oh, Juju, ta question, sérieusement, tu me connais, Juju, j'en ai fait plein des jeux hier soir. Hier soir, j'ai fait du Hearthstone, j'ai fait du Phasmophobia, j'ai fait du Faster Than Light, j'ai terminé Itchy et Scratchy Game, j'ai fait quoi encore? Comme d'hab, hein, Juju, j'ai streamé toute la nuit, j'en ai fait des dizaines des jeux. Ah d'accord. Attends, hier j'ai fait quoi? Putain, voilà, tu me poses des questions, Juju, tu le sais bien en plus que j'en fais des milliers des jeux en live. Alors attends, hier j'ai commencé avec Hearthstone. J'ai commencé comme d'hab, j'ai fait un petit peu de Hearthstone. Après, je suis parti sur Faster Than Light. Attends, je roule une clope. Faster Than Light. Après, je suis retourné sur un peu de Hearthstone. Après, je crois que j'ai fait Ultimate Battle. J'ai terminé Moonlighter.
Après avoir fumé Moonlighter, j'ai été taper une game de Phasmophobia. Après Phasmophobia, eh ben, je crois que je suis parti, j'ai fait Itchy et Scratchy. J'ai terminé Itchy et Scratchy. Et après j'ai commencé Oddworld. Mais en jeu terminé, je finis, il y a juste j'ai terminé Moonlighter. Bah, l'histoire principale de Moonlighter. Parce qu'il y a une New Game Plus et. Bah, il y a une New Game Plus quoi. J'ai terminé la première partie de Moonlighter et j'ai terminé Itchy et Scratchy. Mais sinon, quel jeu j'ai fait, voilà, j'en ai fait plein, comme d'hab. Ouais, tu me poses des questions compliquées, en plus tu le sais, frangin, que j'en fais toujours je sais pas combien des jeux. Ouais, non, mais. C'est bien pour le GG, mais Moonlighter, je l'avais déjà commencé depuis longtemps, c'était la fin, la fin. Il me restait un donjon à faire, et puis la cinquième porte, au final, c'était quasiment rien. La cinquième porte, c'était juste deux boss. T'avances tout droit et tu fais deux boss. Il n'y avait que ça, il n'y avait même pas de donjon, il n'y avait pas de niveau à faire ni rien, c'est vraiment juste t'enchaînes, tu fais une pièce, un boss, une autre pièce, un boss. Sur Alien, mais t'étais pas sur Battlefield et je sais plus quoi. Honnête en tout cas, je crois que t'étais sur Battlefield 3 et je sais plus quoi. Même en même temps, toi c'est pareil, t'en fais tellement des jeux en même temps là. Tellement de jeux en cours aussi. Mais putain, saute! Il abuse à pas sauter. Ouais, bon. Je parie que comme d'hab, hein, les derniers trophées. Ouais, mais je sais, mais t'avais aussi Battlefield 3, t'avais aussi je sais plus quel jeu, t'en avais aussi un million des jeux. Tu me parlais de Hello My Neighbor, Alien Colonial Marine, Battlefield 3, je sais plus quel jeu de moto. Je sais que tu me l'as dit, Alien Colonial Marine, mais tu m'en as dit combien d'autres des jeux, Juju? Tu m'as pas dit que Alien, hein. Mais bon, je parie que comme d'hab, hein, les trois derniers trophées qui te restent, ça va être des trophées hyper longs. Trois trophées, mais t'es loin d'être à la fin. Que c'est toujours les derniers trophées, c'est toujours les plus longs, de toute façon. Déjà en tout cas, petit courage pour la fin. Oh, je suis mort. Bah, je suis mort, il me tombe plein sur la gueule. Ouais, non, mais t'inquiète, pas besoin de me dire le descriptif des trophées, mais c'est des trophées qui vont durer un milliard de temps. C'est juste ce que je dis, c'est les derniers trophées, c'est des trophées qui sont hyper longs. La preuve, tu es 2000 et quelques aliens, c'est un trophée long. C'est bien ce que je dis. Après, ce que tu dois faire, ça, c'est. C'est ce que tu dois faire, mais dans tous les cas, c'est des trophées longs. C'est tous les. À chaque fois, quand tu fais des jeux en platine, on sait très bien, les derniers trophées que tu fais, c'est toujours des trophées hyper longs. Toujours les trucs les plus galères à faire. C'est normal. Allez, vas-y, saute trop tôt. Ouais, bah ça va, dans ce cas-là, c'est des trucs rapides. C'est des trucs qui peuvent aller vite, mais bon, la plupart du temps, normalement, les derniers trophées d'un jeu, c'est toujours des trucs hyper longs. Je parle en général. Enfin, pas forcément pour ton jeu que tu fais actuellement, je parle bien en général. T'es bien placé pour le savoir que les derniers trophées des jeux, la plupart du temps, c'est des trucs longs. Mais saute! Putain, mais deux fois que je crève parce que ce bâtard il se met à marcher doucement au lieu de sauter! Pourquoi tu veux faire sneaky au lieu de sauter, connard de Abe, va?
Bordel, il tape un sneaky au lieu de faire un saut. Il abuse. Attends, je me suicide, je suis mort. Si je tape le plafond, je suis foutu. Ah vas-y, 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 vas-y. Oh my god! Waouh, 2 secondes, 2 secondes. Eh, c'est horrible! Ça va faire ça va faire combien? Ça va faire au moins 20 minutes là que je suis sur ce passage à la con. Ça fait facile 20 minutes là que je suis en train de galérer là-dessus. C'est horrible! C'est horrible. Oh, attendez 2 secondes, là je me roule une clope parce que là je commence à stresser. Ouais bah ça hein. Ouais, désolé j'avais coupé le micro 2 secondes mais putain j'avais dit il y a des booms dehors là, il y en a ils se croient au 14 juillet, faut tout péter. Ah ouais GG, Oddworld c'est connu pour être compliqué hein, c'est pas réputé pour être des jeux faciles. C'est du Oddworld. Après ça va, jusque là j'ai pas trop galéré. Il y a un passage ou deux qui était chiant et un peu galère à comprendre, à savoir quoi faire ou quoi. Il y a eu un ou deux passages, mais sinon ça va. Mais là, c'est juste ce passage, il est hardcore. Il est hardcore. Par contre, du coup, je sais pas là. Je disais, parce que Game Gear, je viens de finir Itchy. Bon, j'ai pas fait Wonder Boy, mais on va le faire Wonder Boy. Mais je sais pas du coup si je fais un sondage pour le prochain jeu Game Gear ou si je fais un tirage au sort. Si je fais un tirage au sort et je voulais choisir le prochain jeu Game Gear ou si je fais un sondage comme je fais d'habitude, Stropol et Twitter. Ah bah ouais, bah oui, il a pas eu bien sûr. Je pense qu'on va faire un tirage au sort. Et je vais alterner. Je vais faire tirage au sort, sondage, tirage au sort, sondage. Y a pas beaucoup de monde, tant mieux pour ceux qui sont là. Au moins pour ceux qui sont là, qui soutiennent, vous allez pouvoir choisir le prochain jeu Game Gear. Je finis juste ce passage et je vous ouvre le tirage au sort. Ouais, bien sûr. Tenez, pour ceux qui sont présents, dans audio. Voilà. Si vous voulez choisir le prochain jeu Game Gear. Allez-y, point d'exclamation Enter. Je termine ce passage et je fais le tirage au sort. Putain, je crois que j'ai débranché mon casque sans faire exprès. Oh non. Oh putain, j'ai cru qu'il avait bugué le casque.
Il m'inquiète ce casque. Putain, t'as la fille femme de ma vie. Si tu veux, tu peux faire point d'exclamation endgame et dans les liens en dessous, t'as un truc, liste des jeux Game Gear, Néa. Si tu veux voir la liste des jeux, si tu t'y connais pas et que tu veux piocher, tu fais point d'exclamation endgame et en dessous dans les feuilles, t'as une feuille, c'est liste des jeux Game Gear, t'as tous les jeux de la console. Mais non, mais non. J'ai eu de la chatte là. J'ai une de ces chances, c'est incroyable. Faut que, à mon avis, je vais essayer de. Je vais essayer de faire deux listes différentes. Je vais faire la endgame comme ça, où que je mettrai tous les jeux que j'ai terminés. Et une autre feuille à côté avec toute la liste de tous les jeux, toutes les consoles. Genre les listes que j'ai, la liste Game Gear, Play 1, GameCube, etc. Je vais la mettre sur une autre feuillet. Comme ça, quand je ferai les tirages au sort, vous aurez une commande. Pour avoir toute la liste des jeux de toutes les consoles. Et puis moi à côté je tiendrai l'autre feuille des jeux que j'ai terminés. Parce que là c'est trop un bordel, sinon il y a les deux mélangés dedans et c'est un peu la merde je trouve pour la feuille. Mais putain saute! Oh c'est horrible le passage, une fois sur deux il veut pas sauter. Il n'y a que Palus, Néa. Si tu regardes la liste, il n'y a pas de Jojack dans la liste, dans tous les cas. Et étant donné que le challenge, il s'appelle All Palus, oui, c'est que Palus. Mais dans tous les cas, dans la liste, il n'y a pas de jeu japonais. T'as pas de casser la tête, la liste, elle est à jour. Il n'y a que la liste SS qui est pas à jour. Pour un pixel. Pour un pixel à la con. Oh putain. Bah oui. Je te l'ai dit à la fin de la vie. Je te l'ai dit, en tout, tu regardes les listes Game Gear. Là c'est Game Gear qu'on choisit. Ah non, il n'y a pas de jab dedans, non. Je peux te garantir que non. C'est les dates de sortie au Japon, mais il n'y a pas de jeu Jap. Les jeux qu'il y a, c'est des jeux qui sont en US. Les dates de sortie et la version du jeu, c'est pas la même chose, Néa. Je vais vérifier, mais je suis sûr qu'il n'y a pas de jeu Jap. Je vais vérifier ce que tu me dis, mais... Attends. Ouais, comment ça, il y a des jeux Jap? Attends, mais je crois que t'as raison en plus. Mais putain, mais sérieux ça? J'avais mis que pas les US. Je les avais retirés les jeux Jap.
Je les avais retirés. Ouais, je vais péter un plomb. Ah bah non, bah oui, hein, que pas les US de toute façon. Que pas les US, mais ça m'énerve parce que j'avais mis la liste à jour. Oh là 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 là, ça m'énerve. Putain, faut que je mette la liste à jour. Oh, fais chier, j'ai la flemme. Ah, ça va, y en a pas beaucoup, mais bon. C'est du boulot, putain, bien vu, Néa. Bien vu. Oh, j'ai une flemme. Pourtant, normalement, c'était une liste uniquement US et PAL que j'avais chopé. Bon, bah, faudra que je mette la liste à jour. Allez, encore du boulot. Mais oui, uniquement PAL et US, hein, vu que le challenge, c'est All PAL US et tout. Putain, faut que je mette à... bah, je suis sûr qu'il y a une autre liste qu'il va falloir que je mette à jour aussi. Je sais plus c'est quelle liste que j'ai chopé sur internet. Je suis sûr qu'ils ont mis les jeux Jap aussi. Je suis dans la merde. Tant pis, hein, je vais mettre à jour les listes et puis c'est tout. Ça va être du boulot. Faut que je me trouve un assistant. Un assistant ou une secrétaire pour m'aider. Oh putain, on a réussi enfin. Merde, j'ai appuyé que j'étais encore sur Discord. De quoi? Ouais, c'est moi. Pyramide Speedrun? Je t'apprends à Wow, combattre, t'inquiète, Rino ça va le aussi. faire. J'arriverai, t'inquiète, y'a pas énormément de jeux à retirer. Pour les Y'a pas beaucoup listes, de jeux à tirer, mais après faut que je des pièces. regarde les autres listes. Des conneries comme ça, quoi. Pardon, chat, t'es sur mon cahier, j'ai besoin du cahier pour écrire un code. Après, ouais, je pense pas que j'ai regardé, là, il n'y a pas énormément de jeux sur la Game Gear, mais après, c'est les autres consoles, je sais pas, parce que j'ai chopé d'autres listes sur Internet. Alors, TB... Parce que là, même là, j'avais chopé une liste, normalement, ça devait être que les US et les PAL, heureusement, tu me le dis qu'il y a des jeux Jap, parce que sinon, j'avais même pas remarqué. Et attends, en liste complète, j'ai quoi? Faut que je vérifie vite fait. Parce que sinon, après, si tu veux bien m'aider, j'avoue que ça me ferait du boulot en moi, ça serait pas drôle aussi. Enfin, je te donne accès à la liste, quoi. Parce que j'en ai d'autres à rajouter des listes. Parce que alors là, j'ai la liste Game Gear, on est OK. Dans la liste GBA, est-ce qu'il y aurait des jeux qui seraient que Jap? Ah putain, il y en a aussi dans la liste GBA. Oh non, et puis GBA, ça va être plus long, ça. Oh putain, il y a GBA aussi. GameCube, c'est la liste de Bison, je crois pas. Non, Bison, il n'avait pas mis lui. Bah, j'ai trois listes. Bah, j'ai deux listes à trier. J'ai la liste Game Gear et la liste. Et la liste GBA. Attends, je vérifie, j'ai que ça en liste de jeu complète. J'ai la PAL. Non, la PS1. PS1, normalement, c'est celle de Blanco. Il n'y a même que les PAL. Il n'y a même pas les US. Il faudra que je rajoute les US. Putain, c'était sur la liste l'année là. Ah ouais, mais t'as pas de nom de pseudo. Parce que je vois grenouille anonyme, dauphin anonyme, mais je sais pas toi tu es qui pour... t'as pas de compte Google? Ouais, je suis sur la liste. Comme ça, je vais te mettre les droits au pire. Comme ça, j'avoue que si tu veux bien être mon assistante femme de ma vie, comme ça, si jamais j'ai des problèmes Si, sur attends, la je me liste ou quoi, machin, connecte. tu pourras m'aider, on pourra le faire ensemble. J'avoue que ça m'aiderait bien. Parce que je vais avoir des trucs à rajouter, des trucs à modifier, etc. Il va falloir que je fasse les listes de chaque console, que je mette les listes complètes, je vais faire la liste sur Internet de chaque console, que je les mette dessus, etc. Ça va être un bordel. J'avoue qu'avec tout ce que j'ai à faire à côté et tout... Pff. Moi, t'es trop gentil, femme de ma vie. Mais je sais pas comment faire pour autoriser à une personne. Ouais, vas-y, tranquille, hein, tranquille. Mais de toute façon, faut que je regarde comment faire pour donner les droits à une personne. Je crois qu'il faut que tu les demandes, les droits de modifier ou un truc comme ça. Je crois qu'il Faut faut que tu aussi juste me que je demandes. termine le donjon et je regarderai.
Oh bah génial, ça commence bien. L'écran d'après, ça commence, je meurs direct.